Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour, je m'entends pas mieux. Bon, comment allez-vous internet? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, j'espère que votre famille va bien, se porte bien. Ici c'est Kamof et vous êtes sur la chaîne YouTube. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, tranquille, pas une vidéo comme les mercredis, une vidéo comme les dimanches. Mais cette vidéo elle est assez spéciale et j'ai vécu une expérience que je voulais partager avec vous. Rappelez-vous dans les vidéos précédentes, l'année dernière en 2019, on a fait une petite vidéo avec la police. Je me suis caché dans le coffre d'une voiture. Après m'être caché, il y a eu une course-poursuite. Et après la course-poursuite, il y a eu une perquisition chez moi. Et j'ai fait de la garde à vue plus un petit peu de prison. Mais bon, ça, on n'en parle plus. En attendant le jugement, les amis, sachez que j'ai eu le bracelet électronique. Donc, super, j'étais confiné jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je suis confiné de nouveau. Pendant que vous, vous allez profiter de la plage, etc. Patin couffin, moi je reste à la maison. J'ai des heures de sortie comme je vous l'expliquais. Mais bon, si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la. Elle est sortie sur la chaîne la semaine dernière. Bref, alors j'ai reçu un appel du commissariat en me disant: oui bonjour, monsieur Kamof. Enfin tu as compris, ils m'ont pas dit Kamof, ils ont dit mon nom. Mais bon, je vais pas te dire mon nom. Voilà. Oui bonjour, monsieur Kamof. Ou monsieur... Quand tu vois, ça a été bipé. Quand je dis mon nom, c'est bipé. Bipé. Bipé, tu vois, c'est bipé à chaque fois. Donc ils m'ont dit: oui monsieur Kamof, bonjour, ben c'est la BRB au téléphone. Et du coup vous pouvez revenir récupérer vos affaires, vos CD qui vous ont été perquisitionnés à votre domicile lors de notre intervention. Je lui ai dit: vous êtes sûr? Moi sur le coup je me dis: tiens, ils veulent me remettre en cabane ou en garde à vue, tu sais pas, dans la vie frérot, avec la justice tu peux t'attendre à tout. Et du coup j'ai pris mes affaires, j'ai appelé mon caméraman et je lui ai dit: viens avec moi, parce que si ça tourne mal, au moins cette fois on aura des vidéos. Bon les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Parce qu'aujourd'hui, on est le 11. Déjà c'est un grand jour parce que c'est le déconfinement. Donc pour ça, c'est un grand jour. On a le droit de sortir sans se faire contrôler, sans besoin d'avoir d'attestation. Voilà, ça c'est très bien. Donc premier point. Deuxième grand jour, pourquoi? Parce qu'on va aller, on a rendez-vous à l'évêché, au commissariat de l'évêché. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand commissariat de Marseille. On va récupérer nos scellés. Qu'est-ce que les scellés? Les scellés, c'est quand les flics viennent chez toi pour te faire une perquisition, ils te prennent des objets, ils choisissent, tu vois, ils prennent. Ils sont chez eux, ils choisissent des objets qu'ils gardent et qu'après, tu ne récupères pas ou que tu récupères très difficilement. Donc la dernière fois que les flics sont venus chez moi, ils m'ont perquisitionné des objets. Et aujourd'hui, on va aller enfin les récupérer. Parce qu'on avait tourné une vidéo qui avait mal tourné. On a tourné une vidéo qui a mal tourné. Et du coup, ben, on a eu cette perquisition. Donc là, on est en plein centre-ville. Rendez-vous à l'évêché. On y va. On va récupérer nos affaires. Et j'espère que tout va bien se passer parce que ça s'est plusieurs fois mal passé. Voilà. Donc j'espère juste que ça va bien se passer cette fois-ci et qu'on va ressortir avec nos ordinateurs portables, nos caméras, nos cartes SD, tout ce qui t'a. Comment s'est passé ma garde à vue? Mal. Mal. J'étais dans une cellule pendant 48 heures tout seul. Donc à partir de là, ça se passe mal quand il y a une garde à vue, tu vois. Mais j'ai envie de te dire 48 heures seul. J'aurais préféré tomber avec quelqu'un, tu vois. Après, les flics, c'était pas méchant, mais bon. Bon, là, on est arrivé, les amis. On se garde dans le parking de casino. Rien à voir, mais comme il n'y a pas de place à Lille, on a pris un ticket. C'est gratuit la première heure. Espérons que ça ne dure pas plus. Bon. Espérons que tout se passe bien. Je sais pas si le but, c'est que je récupère mes affaires ou j'attrape le coronavirus. Peut-être c'est la fin du monde. Ils savent qu'on va tout crever, ils disent tiens, une crève avec les affaires. On arrive bientôt, on va essayer de filmer un maximum en caméra cachée. Et voilà, on est arrivé. Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour, je m'entends pas mieux. Vous
Vous avez une pièce d'identité? Oui. On a tous déposé en même temps. Bon, j'ai tout récupéré. Là, il y a mon ordinateur portable. Mes masques, mon masque de plume. Et puis cela à plomb. Trop bon. Il y a même. Ah, il y a encore le truc. Il y a encore le truc du scellé sur la. C'est ça ? Il y a encore le truc du scellé. Bon ben les amis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a récupéré les CD. Donc là on va avec mon petit caméraman dans un coin tranquille, il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a encore tout le monde qui a des masques. Il faut pas oublier que le coronavirus est encore présent, même si le confinement est fini. Du coup on va se mettre dans un endroit tranquille, on va ouvrir les CD, on va voir s'il manque rien parce qu'on n'a pas bien regardé. Mais on a une bonne nouvelle. Il y a des choses qu'on s'attendait pas à voir et qu'on a. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'on s'attendait à avoir et qu'on n'a pas. Donc, écoutez, on va aller checker ça de suite. Bon, on va voir ce qu'il y a alors. Ah, la cagoule. Je crois que c'est un caleçon. Regardez les gars, il y a encore les scellés dessus. Enfin, il y a encore les plastiques. Enfin, ça là. C'était un calibre à air comprimé que j'avais acheté il y a longtemps. Il n'y avait rien à voir dans la vidéo, mais... Et ça, c'est mon ordinateur. Regardez, il y a encore les CD dessus. Il écrit quoi? Pas ouvrir. C'est ça, hein? Pas ouvrir. Attends, on va essayer de sortir ça. Ouais. En plus, c'était un méchant ordi, frère. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Les empreintes, là? Ah ouais, ils ont pris les empreintes, sûrement. C'est pour ça qu'il y a des traces, là. Mmh. On a récupéré les CD, c'est très bien. Et le pistolet, on va dire. Voilà, mais l'ordinateur portable, c'était vraiment parce que j'avais des photos à moi de la famille et tout dessus. Donc voilà, les amis, ben, je suis content d'avoir récupéré tout ça. Je remercie quand même les policiers qui se sont occupés de récupérer les CD parce que la justice ne faisait pas correctement son travail, le procureur non plus. Et je pense qu'ils voulaient un peu nous faire galérer. Du coup, grâce au policier qui nous a rendu les CD, il a pu accélérer les choses et c'est grâce à lui aujourd'hui. On a pu avoir nos affaires, donc merci beaucoup. Et voilà. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire suivre mon quotidien. Vous allez voir que j'ai une vie assez mouvementée. Mais voilà, c'est un peu le but. On va faire plus de vidéos. Vous allez voir notre quotidien au quotidien, mais pas tous les jours. Donc voilà les amis, comme vous avez pu l'apercevoir, plus de bien que de mal, plus de peur que de mal. J'ai récupéré mes affaires, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas fait les voyous, ils n'ont pas fait les voyous, j'ai signé le papier comme quoi j'ai récupéré mes affaires. Et comme vous le voyez, regardez, hop là. J'ai récupéré mon ordinateur portable, en plus c'est un cadeau auquel je tiens beaucoup. Donc je suis content d'avoir récupéré, je ne croyais plus jamais le revoir. Eh ben, je l'ai revu. Donc voilà les rouillas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, j'espère que ça vous mettra du plomb dans la cervelle de ne pas faire n'importe quoi avec la police. Moi en tout cas, je ne recommencerai plus, je ne m'amuserai plus avec eux parce qu'eux, ils n'aiment pas trop rigoler sur des sujets sensibles et ils ont raison. Hein, parce que se cacher dans un coffre de police, c'est pas très intelligent. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'on a fait tout ça pour vous les abonnés parce qu'on avait atteint, je crois, 600 000 abonnés. Et pour les 600 000 abonnés, je m'étais caché dans le coffre d'une voiture. Il me semble que c'était pour ça. Ça remonte à loin maintenant. Bref, voilà les amis. Donc je vous invite à nous rejoindre sur notre compte de Snapchat, un nouveau compte qui s'appelle à l'écran maintenant parce que l'autre a eu quelques soucis, il n'a pas été piraté, il a encore d'activité mais on va le supprimer. Donc je refais un nouveau compte, à vous de nous rajouter si vous en avez envie bien entendu. Et si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on sortira de nouvelles vidéos. Voilà les amis, ben écoutez, faites attention à vous, portez-vous bien. Et en attendant, ne faites pas les imbéciles avec la police ou la justice. Sinon, je vous déchire, tu as compris? Je vous déchire sinon. Allez, à mercredi prochain. Me cassez pas les couilles, je suis énervé.